C'est la plus forte concentration de sportifs de haut niveau au monde et, pour deux semaines, elle se situe à Paris. Depuis le 26 juillet et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, des milliers d'athlètes ont élu domicile au village olympique, construit principalement sur la commune de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et s'étendant également sur les communes de Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Si certaines grandes stars, comme Novak Djokovic, ont choisi de loger loin du village olympique pour leur confort personnel, la majorité des athlètes s'y côtoient depuis plus d'une semaine. Parmi les athlètes présents, dès le début de cet événement sportif majeur, on trouve Luana Alonso, une nageuse paraguayenne de 20 ans, spécialiste du 100 mètres papillon. Après avoir concouru aux JO de Tokyo, elle a été sélectionnée pour les JO de Paris par son pays. Bien qu'elle n'ait pas remporté de médaille, elle a rapidement annoncé, après son élimination, son intention de mettre fin à sa carrière de nageuse. « C'est officiel. Je prends ma retraite de la natation. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Désolé Paraguay, il ne me reste plus qu'à remercier », a-t-elle déclaré sur son compte Instagram, suivi par plus de 710 000 abonnés. Depuis son élimination, Luana Alonso profite de son temps libre pour explorer Paris et ses environs, comme elle le montre régulièrement à ses abonnés. Cependant, son attitude n'a pas été bien reçue par la délégation paraguayenne. Sa présence crée une atmosphère inappropriée au sein de l'équipe du Paraguay, a annoncé la responsable olympique paraguayenne Larissa Scherrer dans un communiqué. Apparemment, la jeune athlète ne portait pas les tenues officielles de sa délégation, optant plutôt pour des vêtements jugés distrayants par les instances, selon le Figaro. Luana Alonso ne s'était pas encore exprimée sur cette polémique, mais elle l'a fait récemment en publiant une story sur Instagram. Dans cette publication, elle a donné son point de vue sur la situation et réfuté toute expulsion de la part de la Fédération paraguayenne. « Je voulais juste préciser que je n'ai jamais été banni ou expulsé de quelque endroit que ce soit. Arrêtez de répandre de fausses informations. Je ne veux pas faire de déclarations, mais je ne vais pas non plus laisser les mensonges m'affecter », a écrit la désormais ancienne nageuse.